nous avons Chaka Kumo qui est à côté de nous ici. Il est venu avec un communiqué de presse, lui qui tient plutôt à informer l'opinion publique et le monde culturel en particulier de la commémoration de la date du 24 avril, date de la disparition de l'icône de la musique africaine Papa Wemba Shungu, de son vrai nom Shungu Wemba Diop, mort qui avait secoué le monde entier il y a effectivement 5 ans. 5 ans. Alors, sur ce, l'Union africaine avait levé l'option à ce sujet, celle de en 2016 à Addis Abeba ou à Baba pour ceux qui parlent anglais, avec l'accord de 54 ministères de la culture africaine en 2017, que chaque 24 avril soit consacrée la journée africaine de la musique en souvenir de la star Papa Wemba. Saisissant cette opportunité, avec l'arrivée à la tête de l'Union africaine du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, la SBL, artiste en danger, sollicite autre du président de la République la matérialisation de cette décision, exhorte son autorité, bien sûr, l'excellence président, à rendre possible ce moment de rêve. Il est donc là, il nous en dira un peu plus. Bonjour, Chaka Kumo. Bonjour, bonjour. Voilà. Yo la Moukaka Aboué, Ponar Badat. Pas bien, on est encore les dates commémoratives. Commémoratives. Pour réveiller les Oui, morts. Aujourd'hui, c'est oui. Papa Oui, des problèmes à Wazali, il faut un lobbying. C'est ça, parce que Bissouna Congo, RDC, côté lobbying, tout ça, vraiment très fort. Parce que tant que Papa Mbakoufaki, Kounsa Salamaki, les 54 ministres africains qui tirent, l'imagine que chaque 24 avril, c'est la journée de la musique africaine. Mais ce n'est pas tous les 54 ministres en Imagamo. Il y a d'autres pays qui sont contre. Exemple, Afrique du Sud, Bango va proposer Myriam Makeba. Alors, maintenant, c'est l'occasion, comme notre chef d'État, il est appelé africain, le président de l'Union africaine. Myriam Makeba, à quoi va payer le 24 avril? Non, Bango, non, on cherche une journée de la musique africaine. N'importe quelle date, exemple, Manu dit Bango aussi. Oui. Alors, c'est ça, vraiment, que tu portes l'ingé, vraiment, que le chef d'État, le président de l'Union africaine, il est mort à la signature, c'est l'honneur du pays, a décrété la journée de la musique africaine. Alors, aujourd'hui, au Comélie Mukunzambuka, au Comélie Présidence, pour que Mekako matérialise et l'Okoona. Qu'est-ce qu'il faut attendre d'eux? Oui, souvent que tu sais, il y a le ministre de la Culture des Arts et patrimoine maintenant. Papa Wemba est patrimoine. Je remarque que Bissouba, Congolais, RDC, côté lobbying, côté Abanet, il y a bien que nous avons l'Ondala. Oui, Production. François Londal. Londal, ça là, Production. Gom Africa. Gom Africa. Tous les Africains m'ont copié. Oui. Nous Gom avons des Africa, bonnes Ebota initiatives. Cora, Ebota Fespam. Oui. Nous avons des bonnes initiatives, mais côté qu'on concrétise, nous avons un problème. Parce que nous manquons vraiment, on a qui dernièrement, et vous avez tous les artistes étaient réussis dans le chef d'État à l'occasion de la consultation nationale. Merci, Sylvie. Comment? Alors, continue. Consultation nationale, le dinga qui va tirer un inquiétéral dans le ministère oui, des tout à Arts, fait. mais qui résume, bon, tout ça d'abord, comme il y a politique, vraiment que nous sommes très riches en culture, nous avons plus de 400 ethnies. 450. Ou 450, 450, ce sont des cultures. Tout à fait. Nous sommes riches, mais qui résume, c'est notre ministère qui est le plus pauvre, c'est la culture des Arts. Si on regarde le ministère qui est le plus pauvre, vous sentez qu'il n'y a rien là-bas. Alors, pour la papa, en tout cas, toujours c'est un chef d'État qui est qui dirait que tout profiter dans le 24 à décréter la journée africaine de la musique. Alors, quel serait ton dernier mot par rapport à Papa Wemba et puis toi, attaquer moi et mon quai, Papa Joski qui m'écoute. Oui, vraiment, tu remercies d'abord les artistes, donc Papa Joski, que si nous étions organisés, parce que l'association la plus mal organisée, c'est l'IMICO. Il y a des musiques congolais. Ça n'est que des noms. C'est l'union des musiques au congolais. Mais toi, ça, la même, une fête, une grande fête pour Papa Wemba. Parce que Papa Wemba, des exemples, nous avons. Si, mais tu peux nous mettre en illustration quand même les obsèques à Yoski, s'il te plaît. Oui. Alors, avant le Bastico Lobby, que Umiko, ils ont parlé à Umiko, mais ni Nango, virus, ni Nizakate, Umiko, pour marcher bien. C'est l'ignorance des musiciens congolais. Par exemple, Imiko, ça y a Kemoana Mateta. Mais non, Imiko, ce n'est pas Kemoana Mateta. L'idée, c'est venu de faire marcher dans le bout de ses égaux. Et bien là, Imusa. Oui, Imusa. Alors vraiment, tu profites parce que Biwan a dit suivi. Tu es veillé par musicien. Il faut préciser Imusa à la tête avec Vicky Longomba. Vicky Longomba. Et qui a été remplacé oui, en 2016.
Vicky Longomba, Badio Salemba, Ilo Pablo. Oui, oui, quand même. Oui, après autant d'années. Mais Vicky Longomba, il y en a à Fongola. Maintenant, il y a Oumé Lamakaï. Mais c'est notre papa, le patriarche. Kemoana Mateta. Kemoana Mateta. Qui se met en tête. Oui, alors. Il y a hasard de Lumusa à Lumico. Combien d'années? Ah oui, facilement, oui. De Lumusa à Lumico. Tu te rends compte que le Trio Majesty. Oui. Il était à la base de la séparation. Ça, c'est encore toute une autre histoire. Autre histoire. Mais Azaki, déjà président, il y a eu Miko. C'est encore toute une autre histoire. Ah, oui. Je trouve que ça change quand même. Hein. Oui, ça, bon, bah, oui, ça le change. Le régime démocratique, les élections, Azaki, il y a une nouvelle élection dans sa matinée. Le malheur, les musées congolais ne cotisent pas. Ah. Ils ne cotisent pas. En tout cas, c'est très malheureux. Mais il y a un artiste qui est malade. Ce qu'on tient, c'est ça, en fait. Comment? Mais pour Olia, il faut autre chose. Mais non, le problème, c'est quoi? L'ignorant, tout ça, Nango. Ça n'a qu'à les engager à Namoko. Oui. Mingo, c'est une totale limité, c'est un vrai problème. Parce que, toujours, il battait pas toujours Kende, car les musiciens, il battait le droit d'auteur dans ma banga, à Bokassène Kamango, Wana Yamoni, le droit d'auteur. Mais ensuite, Nango, presque tous les artistes, la fin malheureuse des artistes congolais, presque tous les artistes congolais, Papa Wendo, Tangakoufi, Papa Brazos, on sent que il n'y a pas l'organisation. Alors vraiment que Togolingame, Moussou, Soumi, Papa Kamana Maté, t'as invité. Pourquoi que toujours tous les musiciens presque Bakoufa sont malheureux? C'est ça le problème. Dernièrement, tout auprès de Joski Kamukota. Dans tout ce qu'il a fait, vraiment, si la Sokoda, vraiment, parce qu'il y a un problème sérieux. Les assujettis ne payent pas la Sokoda. Trafic d'influence, j'ai un Sokoda, comme il y a un bisou foutu à gâter, mais non, dans d'autres pays, si on va foutre la Sokoda, c'est maigre. Vraiment, je sais qu'il y a beaucoup de temps que les autres n'étaient pas honorables à l'île de Tchamala. On aurait une dégoût à la tête. Parce que, tant qu'on va. Parce que parmi les regrets, on va dire dans l'émission d'Abino, parmi les regrets à Joski Kenango, les jours où Bazo n'est pas président de la République, les amis au Bazaki dans la délégation, ils ont refusé carrément Joski Kenango. On voit Manda Chante, on voit Sam Chintou, Isaac Maï de 24. Donc voilà, la presse, la musique, en tout cas, ceux qui étaient très chers à Joski ont donné du temps pour lui rendre un dernier hommage. Oui, c'est pas grave. Moi, un peu. Grâce à Alita Tchamala, nous avons cela qui dirait qu'il y a deux chaînes, la ETNC et KIN 24, en tout cas, on remercie même Mitana Koufi. C'est au nom de Tchamala, pour ça, il y a Banda, Matanga, Ti, Matanga, Sidi, en tout cas, vraiment, on remercie vraiment Moni Batandengwana. Il faut savoir remercier que Alita Tchamala mérite vraiment beaucoup de respect chez nous, les artistes, parce que le mécène Nabiso, Banira Biso, Tango Abisengo, au bois qui boit, il n'a pas, mais alors, l'homme de l'église, souvent, on est ensemble, c'est qu'éveiller quand même conscience des artistes congolais. Les artistes aiment seulement les obsèques. Pour les directs de la télévision, n'aime pas non plus parce que TBP, on l'a raté. Oui, il y avait un grand débat dessus, des absences qui fallait soulever. Presque tous les artistes de Bagdad et Karir, ils étaient à Kinshasa, à Kolonga, à Fale, parce qu'il y a Kinshasa, mais on n'a pas compris. Nous avons dit qu'il y a un franc congolais, tout le monde qui est même dernièrement. On remercie beaucoup Félego là. Il a remixé chanson Ali da Tchamala. Oui. Mais curieusement, il n'était pas là vraiment que la famille, vraiment. Même là, vraiment, la digestion a mal à la montée. Parce que, le problème, c'est quoi? N'éviter les polémiques qui ont été dans ma matin, mais en tout cas, c'était très vraiment triste pour moi que l'absence, il y a un grand musicien, ça l'a quitté. Vraiment, te remercier. Bah des imbécés, bah Nio Kalongo, bah Sampaio, bah Manda Chante, bah Sam Chinte, tout le monde qui, vraiment que, mais et pourtant vous avez une question ça. Mais le problème c'est quoi? Lui ouais tout ce qui est en matière de réflexion. Tout le monde est Sam, c'est Mazaki. Non mais là il a remercié ceux qui étaient oui, là. Oui, okay. Okay. Alors qu'est-ce que les artistes congolais, le coup là tout ça na culture y a cotisation t, c'est un vraiment problème que vraiment que biso artistes congolais. Au lieu qu'Abisso s'abatte une alati, 10 000 dollars. Chemise, 20 000 dollars. Mais je dis quand il y a commis, maman Denise, papa, c'est ce qu'elle dit. Mais vous êtes au Kabatégoire, grâce à l'Ibanga. Ah, bon, tout ça, la bonne chose. Mais c'est la mais non. C'est une culture, cette histoire-là. Il faut. Bah, il y a un Abisso. Tant que ça va vous choquer,
fait maréchal Mobutu à son mandat qu'il y a Soneka, na centre ville, na vendu commerce. Mm-hmm. Et la maison était vendue par les artistes. Maintenant, vous voulez quoi? Bonsoir, bon, Bolivie. Bon, parce que. Parce que Bino établissement au Chahé. Si vous voulez là. Et puis, Nana Sombi, président de la République. Donc, à garantir Bino quand même, ils ont, comment on dit, c'est une franchise. Mais oui. Alors, je comprends. On aurait pu en faire beaucoup de choses. Beaucoup. D'ailleurs, un centre que j'aurais si on le voulait. Bien sûr. Bon. Pour votre information, le solo à 2 millions de dollars. Oui, évidemment, voilà. Personne, ministre Malenzo, a eu besoin de la Congo. Munisika Tower, celui-là, le boulevard, pas tellement moins dans la cage de Feko. Oui, oui, oui. Là, c'est Feko, le boulevard. C'est la maison. C'est la future tower. Oui, voilà. Oui, oui. C'est la place. Le ministre a quitté les arts, il y a deux sommes, mais Sikawana. On a tout ça, bah, mais tout va, bah, artiste, bah, bureau, studio. Mais les artistes ont refusé, mais plutôt qu'à leur bongo. Jacques, tu peux tout un extrait à la musique au Ferré qui rendait hommage à Djuske Kikambukuta. Musique. Papa Djuske Kikambukuta, de génération en génération, de Lona Ferré Golaï. Tshisekedi, la combina Nzembo na mama Denise Nyakero. Bolingo na koma komilela, basi ya nini nga na komona po. Nasirisi kichasa mobima, na luka mwaye na bondela sheri ya zona. Pola mwaye mungu mamae, alita na ngayo banza. Voilà, retour plateau. Nous donnons donc la parole à Chaka Congo pour son mot de fin. Oui, mot de la fin. Nous avons deux cas. Tony Bodiakata, il a sali 6 ans à Makala. Tony Bodiakata, aujourd'hui, il ne pas, il sauve. Il est innocent. Mais maintenant. Oui, c'est Tony Bodiakata. Comment on l'appelait Kadogo là. Non, non, non. Tony Bodiakata, il faut y aller. C'est un soldat. Je ne sais pas. Il y a des répétitions, il a répondu vaguement comme ça. Il a fait ça, il a remis le salamaki et c'est coïncidé. Et un suicide, ton maître, ceux qui m'ont mis des bigues, un suicide. Non, c'est suicide, c'est suicide. C'est un suicide, oui. Alors c'est ça. Quand il y a des suicidés italiens. Maintenant, les petits. Et là, il a suicidé quelqu'un. Non, en fait, c'est-à-dire qu'il a assimilé le meurtre. D'accord, c'est la justice. C'est la justice. 6 ans à Makala, maintenant. Azu malade ya babé ango ya Tema Azana Sana, c'est ça que nous avons pu chercher l'information. Une autre information, il y a Pasteur Guy Mario. Oui, oui, oui. Et Azana Koma, na hôpital ya Maman Olive. Oui. Et Azana KVC, Makine Matagi na Moutou, vraiment que bon, on demande la artiste. Nous aimons seulement les obsèques, c'est le moment de sauver Pasteur Guy Mario, en tout cas, vraiment que c'est l'information. Non, mais pour terminer, encore merci à l'honorable Lida Tchamala, qui a eu à Sali à l'embatté. Vraiment que merci au nom de tous les assez congolais. Mais c'est le 26 juin, au Togolongola. 40 jours, c'est les gars qui. Parce que tout le théâtre, pourquoi? Dans Brazzaville, il y a une campagne.
le bantu de la capitale, il fallait aller à Matanga, il y a Joski, mais ils vont venir jouer jour avant le 26 juin. Je crois qu'il y a la Maïcha Live. On va vous inviter pour honorer Joski Kambuguta, toujours dans nos cœurs. Je crois honorable Ali Djamala. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une information. Que devient notre cher Murumba Banda? Murumba, en tout cas, Murumba, pour le moment, il est abandonné. Encore. Abandonné, oui, abandonné. On l'a ramené. Vous le ramenez. Oui, et abandonné en Côte d'Ivoire. Vous le ramenez pour l'abandonner encore. Si, vraiment, pour les autres informations, que Bazoué Kenda, on a Kitambo, on a tout remercié pour venir à la ville de Kinshasa. Papa, j'ai été là. Mais, rôle, Naye, Zalagi, papa. J'ai dit, il y a un Murumba, mais il fallait quand même, Baninga Naye, pas aider maintenant, c'est le fin de mois. Il est malade, vraiment qu'il n'y a pas le verre de compassion chez nous les artistes. Merci beaucoup, Chaka Kongo. Mais non, ça m'a dit, il y en a un jour. Tu ressens l'effort, il y en a ma caméra, tu filmes quand même. Non, il y en a un jour. Mais non, mais non, mais non. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Mercredi prochain, il y a un jour. Comment? Mercredi prochain. Mercredi prochain, il y a un plateau. Il y a un jour, il y a un jour. Il y a un jour, il y a un jour. Ok, d'accord. Comme ça, ça sera justement un moyen pour ça l'appel. Mm-hmm. De bonne foi, Laura Balita Chamala, bah, Abeta Chou. Et entre parenthèses, on rappelle que Baoti Kossala, Baoti Korepon. Jafar, tu n'es pas de chou. Hein. Oui, c'est plaisir d'information. Baoti Korepon, tu vois la fameuse comédie, la Boula Gando, Magatier, Pavement, ça a été repris en film. Par qui? Des Congolais ici, oui, nos amis Congolais. Je vous enverrai prochainement. Bah, avec l'extrait, mercredi prochain, comme ça, on le mettra. Mercredi prochain, tu vois la Boula Gando. On va faire la Nignoana, comme ça. On va prononcer l'extrait de l'original. En toute beauté, on se sépare avec cet extrait, La Rumba Congolaise, Histoire et Économie de Didier Moumengi, sénateur et écrivain, mis en film par Jafar Moulassa. Un court extrait pour vous. C'est lui, Jafar.